Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui en avais marre d'être le cul vissé dans ton canapé, à hésiter entre la dernière nouveauté Netflix ou peut-être le spectacle de Norman sur Prime, eh bien ce nouveau numéro est véritablement fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux quelques sorties du mois de mai, que faut-il absolument voir dans les salles? Slalom. Qu'il est bon de retourner au cinéma. Je ne vais pas vous faire un énorme pamphlet sur le plaisir que j'ai eu à retourner dans une salle, à attendre dans le noir le début du film, ou même simplement à côtoyer avec plaisir les fauteuils et les habitués de mes petites séances, mais une chose est sûre, cela nous avait manqué, et j'avais besoin pour le coup de mettre en avant un film marquant. J'aurais pu vous parler du dernier Dupontel, mais il est tellement mis en avant que la première réalisation de Charlène Favier me semblait essentielle. Essentielle car non seulement la jeune cinéaste parle d'un sujet difficile, soit les violences sexuelles dans le monde du sport, mais bien au-delà de cela, elle réussit à construire un parcours de cinéma intense, doublé d'un travail graphique tout simplement saisissant, porté par une maîtrise de la mise en scène qui m'a totalement séduite. C'est une première œuvre rare, une première œuvre parfois difficile, parfois rude, mais extrêmement juste et très intéressante dans son propos. Juste dans son traitement d'un personnage qui peut sonner comme un peu vide dans ses premiers traits de caractère, mais qui parvient au fur et à mesure d'une construction dramatique et narrative juste à donner lieu à une vraie réflexion autour de la construction de soi dans un contexte difficile et presque suffocant en somme. Et c'est là que la jeune cinéaste parvient à construire quelque chose de fort et d'intense. Elle aurait pu bien évidemment se limiter à une forme plus classique, à un développement de personnage plus direct, à une mise en relief plus brute et moins fine de la violence que la jeune femme subit. Mais cela n'aurait pas rendu justice au véritable propos qu'elle veut emmener. Soit le parcours nécessaire d'une jeune femme qui va devoir se construire pour s'assumer et avancer. Mais par-dessus cela, elle arrive à rendre son image fascinante, extrêmement parlante et surtout vraiment inventive. Un visuel qui marque dès les premières minutes, qui est couplé avec un travail du son tout simplement fascinant, qui englobe l'entièreté de son cadre et donne un souffle profond et juste à de nombreuses scènes où sans tout cela, le film n'aurait pas le même impact. Il est indéniable que Charlène Favier a su construire une œuvre folle et a su surtout mettre en relief avec brio le talent de son actrice centrale, la jeune Noé Habitat, tout simplement extraordinaire dans une interprétation juste et parfaitement maîtrisée de Liz, à laquelle elle donne un souffle rare et une puissance dramatique folle. En un mot, commençant, Slalom est une œuvre rare, un premier film saisissant, émouvant, parfois dur, parfois complexe, mais d'une grande finesse et surtout d'une maîtrise subjugante. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Slalom. C'est une première œuvre de cinéma juste, intense, difficile, dominée de bout en bout par une metteur en scène qui sait exactement dans quelle direction aller et qui démarre sa carrière sur les chapeaux de roue, et emmenée par une jeune actrice bourrée de talent.